arriva la Maison Blanche, où le pouvoir économique écerclait 3 d'initiés. Presque toujours les mêmes, quel que soit le président. Sans frontières entre responsabilité publique et intérêt privé, Alan Greenspan, venu des Savings and Loans, est nommé par Reagan à la tête de la réserve fédérale. Il y restera 19 ans. De Reagan en Bush senior, Bill Clinton et Bush junior. Robert Rubin, 26 ans chez Goldman Sachs, nommé secrétaire d'État au Trésor par Bill Clinton. Il négocie la fusion pourtant illégale de Citigroup, avant d'en prendre la direction, qu'il quittera peu après avec un bonus de 126 millions de dollars. Larry Summers, ferme opposant à toute régulation. Secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, qu'il quittera pour la présidence d'Harvard, tout en conseillant Obama, en même temps qu'un hedge fund. Et oui. Le plus grand nombre vient de Goldman Sachs. Robert Rubin, Henry Paulson, Mark Patterson et Joshua Bolten, directeur du cabinet de Bush, le directeur de la Banque mondiale, le directeur du New York Stock Exchange, les deux derniers directeurs de la Réserve fédérale de New York, laquelle est pourtant chargée du contrôle de Goldman. Ce n'est pas tout. Mario Draghi, le nouveau président de la Banque centrale européenne, Mario Monti, le président du Conseil italien, et Lucas Papademos, le premier ministre grec. Otmar Issing, ex-membre du directoire de la Bundesbank, les directeurs des banques centrales du Canada et d'Italie, et tant d'autres. Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Janvier 2007, 1700 milliards de produits dérivés sont mis sur le marché. Le Dow Jones chute de 200 points. Les premiers signes d'inquiétude se manifestent à Countrywide. Le DAIG avoue un trou de 25 milliards de dollars. Pas de problème, la BCE rend fou et du coup sauve la City, pourtant hors de la zone euro. Les crédits immobiliers sont en faillite. Fannie Mae et Freddie Mac. L'État rend flou, 183 milliards de dollars, une paille. Puis, c'est Lehman Brothers, 100 milliards de dollars de pertes, encore une paille. La panique gagne les banques européennes. Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale, UBS Crédit Suisse sont prises. L'argent public bouche les trous, bien sûr. Selon le Financial Times, les principaux dirigeants financiers mondiaux totalisent 95 milliards de dollars de salaire. Jolie somme. Alors qu'ils ont fait 1000 milliards de pertes. Vous avez bien entendu, de pertes. Malgré la faillite d'AIG, son directeur général empoche 65 millions de dollars. Celui de Merrill Lynch, 160 millions de dollars. Celui de Fannie Mae se contente de 14 millions de dollars. Les bénéfices de Goldman Sachs ont reculé de 37%. Mais son président voit son salaire multiplié par 3. Maintenant, ne riez pas. Pitié pour un drame de la pauvreté. On n'y peut rien. L'espoir est souvent candide. Fin 2009, Barack Obama réforme les finances et Wall Street. Mais l'entourage ne change pas, ou si peu. Les agences, pareil. Le lobbying, pareil. Les bonus, pareil. Et les dividendes ont encore monté. Les principales banques américaines sortent de la crise plus puissantes que jamais. Les pauvres sont encore plus pauvres. Les fauteurs de la crise. Au total, il a fallu plusieurs milliers de milliards de dollars d'argent public pour renflouer les banques. Pourquoi ? Pour que le système continue, tout simplement. Pas d'autres moyens connus pour l'instant. Ça marche mal, il y a des pannes, de grosses pannes, mais ça marche comme ça. Alors, tant qu'il y a de la musique, la machine à dette continue à tourner. En 2012, les hedge funds sont plus de 11 000. De plus en plus actifs. Ils se développent sans cesse. Ils savent faire. 28 milliards de dollars de gains en un an. Plus que les 6 plus grandes banques réunies. Pour eux, c'est du gâteau. Alors voilà, les marchés, tous ces trucs financiers de l'ombre, ces combines et voilà tout. Quand ça gagne, c'est pour les déjà riches, les de plus en plus riches, qui font des fortunes indécentes et fabriquent rien de bien utile.
Et quand ça perd, c'est toujours pour les mêmes, ceux qui travaillent, les jamais riches et les toujours pauvres. Courage les politiques, réveillez-vous, dites la vérité, dites que le monde n'est pas un casino. On y vit et on y travaille. L'argent, c'est pas un jeu, dites-le, ça doit servir. Moi, c'est simple, je le vois comme ça. C'est tout.